Bonjour, Denis Zalkowski, formateur consultant. Vous pouvez me lire sur dsfc.net. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à Firefox et il s'agit de vous montrer en fait les quelques réglages que je vous suggère dans l'utilisation quotidienne de Firefox. Pour accéder aux options de Firefox, vous allez totalement à droite de la barre de navigation. En haut à droite de l'écran. Vous cliquez ensuite à l'intérieur de la fenêtre qui s'ouvre sur l'item option. Et là, vous avez une boîte qui vous propose différentes configurations. Donc je vais dans l'item général, au niveau duquel je rentre comme page d'accueil la page du moteur de recherche Start Page, qui est en fait produit des résultats de recherche comme ceux de Google, mais sans consigner vos informations de navigation. Dans cet item, dans cet onglet, au niveau du téléchargement, je choisis pour ma part toujours demander ou enregistrer les fichiers de manière à pouvoir sélectionner l'emplacement où je vais stocker les fichiers téléchargés. Deuxième item, donc l'item onglet. Alors là, une option qui est quand même très agréable, à savoir l'ouverture en fait d'un nouvel onglet dès que vous cliquez sur le lien d'une page. Troisième item, la recherche. Donc je vais choisir ici DuckDuckGo. On verra plus tard comment ajouter un moteur de recherche supplémentaire, par exemple Startpage d'ailleurs. Et je vais décocher pour ma part les suggestions de recherche. Elles fournissent des informations évidemment à caractère confidentiel sur évidemment les informations que vous saisissez dans votre barre de recherche. Au niveau de l'item contenu, rien de particulier là à régler évidemment. Application également. C'est au niveau de la vie privée en revanche que l'on va fournir des réglages un petit peu plus fins. En termes de règles de conservation, je choisis pour ma part utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique et je décoche tout ce qui concerne la conservation des historiques. En matière de cookies, évidemment, vous n'avez pas le choix, d'autre choix que celui d'accepter les cookies, mais vous pouvez les limiter quand même, ce qu'on appelle les cookies tiers au site visité. Alors, les cookies tiers, de quoi s'agit-il? Il s'agit de cookies qui sont liés à des domaines qui sont externes aux pages que vous êtes en train de consulter. Et sur la conservation de ces cookies, eh bien, je fais le choix ici de les détruire à la fermeture de Firefox. Quant au vidage de l'historique, eh bien pour ma part, je conserve le cache et je conserve uniquement les préférences de site qui peuvent contenir ce qu'on appelle des exceptions en matière de cookies. Donc là encore, c'est pareil. Dans l'optique de fournir le moins d'informations possible eh bien, au site que vous visitez, je vous recommande plutôt de laisser décocher cette case-là. On verra un petit peu plus tard comment on la règle. Au niveau de la sécurité, donc pensez à désactiver tout ce qui est anti-phishing, puisqu'il s'agit en fait d'un appel à un service Google. Évitez peut-être d'enregistrer vos mots de passe en cas de faille de sécurité, c'est quand même assez problématique. Sur la synchro, pas de synchronisation évidemment avec le site de Firefox. Et sur avancée, là on a la présentation de 5 onglets, au niveau desquels. Sur les données collectées notamment, je vais décocher en fait toutes les informations qui pourraient être transmises à Firefox. Sur le réseau, rien de particulier, sauf que je n'utilise pas de proxy. Voilà. Pour les mises à jour, pas de problème particulier. Quant au certificat, de façon à éviter à chaque fois qu'il me redemande de valider les certificats, bon, je demande à en sélectionner un automatiquement. Voici les quelques réglages que vous avez à effectuer. Nous verrons un peu plus tard, évidemment, l'ajout de plugins. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation.